Bonjour à tous. Nous bien contents de recevoir ce bon commentaire de nos premières vidéos. Nous bien encouragés par ce bon message et nous disons merci beaucoup. Est-ce que vous êtes encore rappelé c'est quoi Phoenix? Phoenix, c'est sa nouvelle méthode pour apprendre l'alphabet anglais pour ce son. Donc, ne pas dire ABCD dans un premier temps, mais nous dire alphabet pour ce son. Il nous aussi prouvé dans le monde que les enfants sont capables de déchiffrer les mots en anglais et même qu'à lire un livre, malgré qu'ils soient petits. Est-ce qu'ils ont dit à nous qui sont ceux qui apprennent à lire? Bravo, le son! Kuma, savon. Kuma, soulier. Bravo. Maintenant en anglais. In English. Four, six. Four, sun. Four, snake. Come on, do it. Snake. Mais bravo, je connais tout. Nous capables de continuer. Nous apprendre un deuxième lettre avec ce son. C'est lettre A. A. Ok, laisse-moi répéter. A. Guette bien comment il paraît sa lettre là. Laisse-nous servir nous les doigts et nous faire un rond. Et ce tilaké. A. Laisse-nous faire lire encore avec, une fois avec nous les doigts. A. Quand vous êtes blessé, comment vous êtes habitué à crier? Aïe! Ah! Pour aïe! Laisse-nous découvrir encore ben, les autres mots qui commencent par ce son-là. Qui ça n'a qu'à parler de moi, hein? Tous enfants bien contents quand vous trouvez l'île au le ciel. Qu'était ça? Avion! Très bien! A pour avion! Répète après moi. A pour avion! Asté un fruit qui commence par A. Ananas. A pour ananas. Répète après moi. A pour ananas. Très bien. Laisse-nous sentir une petite santé pour le son A. Mais si elle est tout comme sa santé là. Alouette. Allez, sente avec moi. Tout en rappel sa son là. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec. Je te plumerai le bec. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou. Je te plumerai le cou. Et le cou. Et le cou. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le dos. Je te plumerai le dos. Et le dos. Et le dos. Et le cou. Et le cou. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la queue. Je te plumerai la queue. Et la queue. Et la queue. Et le dos. Et le dos. Et le cou. Et le cou. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Ah, alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Aster nous fait un petit bout en anglais. Qui nous connaît en anglais qui commence par son A? Un fruit même ça. A for apple. Yeah. Laisse-nous dire ensemble. A for apple. Le mot fourmi en anglais veut dire ant. A for ant. Répète après moi. A for ant. Laisse-nous sentir un petit mot en anglais à stéréo le son A. Lis en anglais, écoute-li une fois les là je pour capable chante-li avec ban action là. Please écoute-li, please pour capable chante avec. Laisse-nous commencer. Ah ah, ants on my arm. Ah ah, ants on my arm. Ah ah, ants on my arm. They're causing
Astaire, nous allons regarder un petit devoir ensemble. Dans ce petit devoir-là, vous pouvez trouver qui est un bon mot commence par la lettre A. Azodi? Ah oui, il y a un A là-dedans. Vous trouvez, vous-même, vous êtes capable de reconnaître. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit collage pour moi. Je dessine un papier journal qui ne pas servi et commence à faire un petit boule en lit. Là, je colle dans sa dessin pomme-là. Chaque fois que je colle une boule, que ça lettre là et que je dis « Ah !» D'accord là? J'ai bien envie de avoir moi une photo quand j'ai complété cet exercice-là. Avant d'aller, laisse-nous faire une petite révision ce qui nous apprend jusqu'à l'air. Pour si, pour sun, a pour apple, a pour ant. Si nous mettons ça ensemble, qui nous gagne? A, ça. Wow, elle a un premier mot qui est capable de lire ça. Alors, vous êtes apprendre. Phoenix, je peux bien pratiquer tous les jours. Pour qui, je te rappelle, ben, son nom. Allez, tout le monde, ciao et à bientôt!